Women of Afghanistan, all of them, they are now imprisoned in their own houses. Pour le groupe socialiste et démocrate, c'était important de pouvoir accueillir pendant ces deux journées les femmes afghanes ici au Parlement européen. Pourquoi ? Parce que c'était nos candidates pour le prix Sakharov. Il était donc important pour nous, en tant que socialistes et démocrates, de donner la voix à ces défendresses des droits des femmes de manière générale, et en particulier en Afghanistan. Alors qu'est-ce qu'on a pu faire pendant ces deux jours ? Ces trois panels importants qui travaillaient sur les différents enjeux, par exemple comment mettre en relation les femmes en exil, parce que non seulement elles sont menacées chez elles, mais en plus elles se retrouvent en Europe ou ailleurs, et où elles n'arrivent pas à se connecter entre elles, mais aussi se reconnecter à leur pays. We are from Afghanistan, we lived in Afghanistan, and we know about the reality of Afghanistan. People who are here, of course, they are so worried about situation in Afghanistan, and they want so much help, but they don't have enough knowledge about Afghanistan. So we shared our knowledge and we shared information from the field. And we told them that you shouldn't, under the pretext of humanitarian crisis and humanitarian aid, you shouldn't normalize the Taliban, and you shouldn't give recognition to the Taliban. La deuxième chose de ces journées, c'est de continuer à mettre l'Afghanistan au centre de nos préoccupations. On sait, une crise en chasse une autre. Il y a eu l'Afghanistan avec les talibans, aujourd'hui il y a l'Ukraine, demain il y aura une autre crise, et donc il est important de rester attentif à ce qui se passe dans ce pays. On a une responsabilité. On a été présent 20 ans en tant que force occidentale sur un plan militaire dans le pays, mais aussi avec des approches de soutien. Par exemple, pendant 20 ans, on a aidé beaucoup de femmes à aller vers l'éducation. Que fait-on maintenant avec ces femmes ? Donc, pour nous, garder l'Afghanistan au cœur de nos préoccupations et de reconstruire un Afghanistan où il pourrait y avoir autre chose que les talibans. Les talibans, ils sont là aujourd'hui, seront-ils là encore demain ? Et donc, il faut préparer cet avenir. People are starving, of course. People are, they are hungry. And, but when you don't have freedom, when you don't have work, when you don't have access to education, to health services, to social services, then as a woman you cannot go back to your workplace. So that eating, just eating, it means that you eat just to be alive, but your life doesn't have any meaning, okay? So for what we should be alive? On a entendu beaucoup de témoignages qui disent « mais finalement vous avez dépensé beaucoup d'argent, mais les populations n'ont pas forcément vu la couleur de cet argent ». Et ce qu'elles nous disent, c'est aujourd'hui avec les talibans, soyez attentifs de ne pas continuer dans la même logique, c'est-à-dire ne pas donner de l'argent aux talibans pour qu'ils se servent pour eux, mais aussi pour leurs amis, ce qui va conforter le pouvoir. Et donc il faut qu'on trouve des manières de faire de l'aide à l'Afghanistan, mais que cette aide aille vraiment là où les femmes sont, par exemple ouverture des écoles, donner l'accès aux hôpitaux. Et donc tout ça devra être vraiment taillé au scalpel pour faire en sorte que ces femmes reçoivent vraiment l'aide européenne. There were 20 years of freedom. There were 20 years of hard work, and we achieved many achievements. And I still believe in my country. I still believe in my Afghanistan, you know. And we want to build our country.